train station, la gare. The railway or railroad in general, le chemin de fer, the road of iron. A railroad ticket, un billet de chemin de fer. The railroad track itself is la voie ferrée, and the platform is le quai. Now, if you see a sign that reads accès au quai, it means access to the platforms. This will usually be forbidden, interdit, to people not furnished, as they say in railroad jargon, with a ticket, aux personnes non munies d'un billet. To furnish or equip somebody with something, it's munir. A ticket may only be valid for 3 months, valable pour 3 mois. Monsieur, pas si vite. Mais je ne veux pas manquer mon train. Laissez-moi passer. Regardez ça. Ah oui, c'est très joli. Mais laissez-moi passer. Non, je suis désolé, monsieur, mais l'accès au quai est interdit aux personnes non munies d'un billet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est interdit aux personnes qui n'ont pas de billet de passer par ici. Oh, mais j'ai un billet. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit? C'est ça votre billet de chemin de fer? Non, c'est un billet pour le train. Oui, pour le train veut dire pour le chemin de fer. Ah oui, parce que le train roule sur un chemin de fer. Non, le train roule sur une voie ferrée. Ah bon, oui, bon, la voie ferrée. Maintenant, laissez-moi passer. Pas si vite, monsieur, pas si vite. Un billet de chemin de fer est valable pour 3 mois. Ah, mais je lis depuis plus de 3 mois. Exactement. Ce billet est dans ma famille depuis des années, des années. Des... Dans votre famille depuis des années et des années. Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est votre grand-mère? Oui, c'est un très, très vieux billet. Alors? Oui. Il est grand temps d'aller vous acheter un nouveau billet là-bas, au guichet. Le chemin de fer, the railroad. La voie ferrée, the railroad track. Accès au quai, access to the platforms. Interdit, forbidden. Valable pour 3 mois, valid for 3 months. To check tickets is to control tickets in French. Contrôler les billets. The ticket collector or inspector, le contrôleur. Quebec City and Quebec Province are distinguished by whether you say à Québec or au Québec. I'm going to Quebec Province, je vais au Québec. But I'm going to Quebec City, je vais à Québec. When you buy a train or an airplane ticket, you have to say whether you're a smoker, un fumeur, or a non-smoker, un non-fumeur. Tickets aren't free. Les billets ne sont pas gratuits. The Information Bureau or Office, le bureau de renseignement. Listen to the announcements. Écoutez les annonces, which come from the loudspeaker. Le haut-parleur, literally, the high speaker. Le monsieur là-bas dit que je dois acheter un nouveau billet. Le contrôleur? Pardon? Il s'appelle un contrôleur. Il contrôle les billets. Ah bon? Pouvez-vous me vendre un nouveau billet? Pour aller où? À Québec. Vous allez à Québec? Oui, oui. Mais vite, parce que je ne veux pas manquer mon Première train. Ou deuxième classe? Deuxième classe. Deuxième classe. Oui. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Non-fumeur. Voilà, monsieur, votre billet est simple. Ah non, madame. Je veux un billet aller et retour. Vous voulez un billet aller et retour? Vous allez à Québec. Québec, toujours. Deuxième classe. Non-fumeur. Voilà, monsieur. Oh, merci, madame. Les billets de chemin de fer ne sont pas gratuits. Pas gratuits? Non. 19 dollars et 50. Ah, oui, bien sûr, bien. Voilà. Vite, je ne veux pas manquer mon train. Savez-vous à quelle heure part votre train? Non, mais je pense que c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Et c'est le dernier train pour Québec aujourd'hui.
Le dernier train pour Québec aujourd'hui? Oui. À quelle heure part-il? Je vends des billets. Je ne suis pas un bureau de renseignement. Oh, mais où est le bureau de renseignement? Il n'y en a pas dans cette gare, monsieur. Ah! Écoutez les annonces. Les annonces? Quelles annonces? Le haut-parleur. Chut. Écoutez. Le contrôleur, the ticket collector, le bureau de renseignement, the information bureau. Écoutez les annonces, listen to the announcements. Le haut-parleur, the loudspeaker. I haven't understood anything. Je n'ai rien compris. What did he just say? Qu'est-ce qu'il vient de dire? The train has been delayed by 4 hours. Le train a été retardé de 4 heures. Worse still, the train has just been cancelled. Le train vient d'être annulé. Worst of all, the train has just left platform 3. Le train vient de partir du quai numéro 3. If you ask if it's your train, the answer might be, I believe so. Je crois que oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Demandez au contrôleur. Je ne suis pas un bureau de renseignement. Monsieur le contrôleur. Ah, vous avez votre nouveau billet? Oui. Oh, vous allez à Québec? Oui. Très bien. Le haut-parleur, qu'est-ce qu'il vient de dire? De demander à la dame au guichet. Je viens de demander à la dame et elle m'a dit... Qu'elle n'était pas un bureau de renseignement. Oui, mais comment... Là, elle dit toujours ça. Oui, mais le haut-parleur... Ah, le haut-parleur vient d'annoncer que le train de 19h35 a été retardé. Retardé? Oui, de 4 heures. Retardé de 4 heures? Oui. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant 4 heures? Vous pourriez aller à Québec. Quoi? Oui, parce que le train de 19h35 est le train pour Trois-Rivières. Ah! Mais à quelle heure part le train pour Québec? Attention, il y a une autre annonce. Je n'ai rien compris. Le train de 18h40 vient d'être annulé. Annulé? Oh! Ah! C'est le train pour Québec, ça? Non, monsieur, non. C'est le train pour Chicoutimi. Ah, bon. Mais quand est-ce que le haut-parleur va parler du dernier train pour Québec? Ah, ben, je ne sais pas, mais patience. Chut, mais moi, c'est... Le train de 17h35. C'est le train pour Québec. Je crois que oui. Oh, youpi! Chut, attendez. Qui est le dernier train pour Québec? Youpi! Laissez-moi passer. Non, attendez. Vient de partir du quai numéro 3. Ah! Je n'ai rien compris. I haven't understood anything. Qu'est-ce qu'il vient de dire? What did he just say? Le train a été retardé. The train has been delayed. Le train vient d'être annulé. The train has just been cancelled. Pas si vite, monsieur, pas si vite. Mais je ne veux pas manquer mon train. Laissez-moi passer. Regardez ça. Ah oui, c'est très joli, mais laissez-moi passer. Non, je suis désolé, monsieur, mais l'accès au quai est interdit aux personnes non munies d'un billet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est interdit aux personnes qui n'ont pas de billet de passer par ici. Oh, mais j'ai un billet. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit? C'est ça votre billet de chemin de fer? Non, c'est un billet pour le train. Oui, pour le train veut dire pour le chemin de fer. Ah oui, parce que le train roule sur un chemin de fer. Non, le train roule sur une voie ferrée. Ah bon, oui, bon, la voie ferrée. Maintenant, laissez-moi passer. Pas si vite, monsieur, pas si vite. Un billet de chemin de fer est valable pour 3 mois.
Ah, mais je lis depuis plus de 3 mois. Exactement. Ce billet est dans ma famille depuis des années, des années. Des... Dans votre famille depuis des années, des années. Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est votre grand-mère? Oui, c'est un très, très vieux billet. Alors? Oui. Il est grand temps d'aller vous acheter un nouveau billet là-bas, au guichet. Le monsieur là-bas dit que je dois acheter un nouveau billet. Le contrôleur? Pardon? Il s'appelle un contrôleur. Il contrôle les billets. Ah bon? Pouvez-vous me vendre un nouveau billet? Pour aller où? À Québec. Vous allez à Québec? Oui, mais vite, parce que je ne veux pas manquer mon Première train. Ou deuxième classe? Deuxième classe. Deuxième classe. Oui. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Non-fumeur. Voilà, monsieur, votre billet est simple. Ah non, madame. Je veux un billet aller et retour. Vous voulez un billet aller et retour? Vous allez à Québec. Québec, toujours. Deuxième classe. Non, fumeur. Voilà, monsieur. Oh, merci, madame. Mes billets de chemin de fer ne sont pas gratuits. Pas gratuits? Non, 19,50 $. Ah, oui, bien sûr, bien. Voilà. Vite, je ne veux pas manquer mon train. Savez-vous à quelle heure part votre train? Non, mais je pense que c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Et c'est le dernier train pour Québec aujourd'hui. Le dernier train pour Québec aujourd'hui? À quelle heure part-il? Je vends des billets. Je ne suis pas un bureau de renseignement. Oh, mais où est le bureau de renseignement? Il n'y en a pas dans cette gare, monsieur. Ah! Écoutez les annonces. Les annonces? Quelles annonces? Le haut-parleur. Chut! Écoutez. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Demandez au contrôleur. Je ne suis pas un bureau de renseignement. Monsieur le contrôleur. Ah, vous avez votre nouveau billet? Oui. Oh, vous allez à Québec? Oui. Très bien. Le haut-parleur, qu'est-ce qu'il vient de dire? De demander à la dame au guichet. Je viens de demander à la dame et elle m'a dit... Qu'elle n'était pas un bureau de renseignement. Oui, mais comment... Elle dit toujours ça. Oui, mais le haut-parleur... Ah, le haut-parleur vient d'annoncer que le train de 19h35 a été retardé. Retardé? Oui, de 4 heures. Retardé de 4 heures? Oui. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant 4 heures? Vous pourriez aller à Québec. Quoi? Oui, parce que le train de 19h35 est le train pour Trois-Rivières. Ah! Mais à quelle heure part le train pour Québec? Attention, il y a une autre annonce. Je n'ai rien compris. Le train de 18h40 vient d'être annulé. Annulé? Oh! Ah! C'est le train pour Québec, ça? Non, monsieur, non. C'est le train pour Chicoutimi. Ah, bon. Mais quand est-ce que le haut-parleur va parler du dernier train pour Québec? Ah, ben, je ne sais pas, mais patience. Mais moi, je... Le train de 17h35. C'est le train pour Québec. Je crois que oui. Oh, youpi! Chut, attendez. Qui est le dernier train pour Québec? Youpi! Laissez-moi passer. Non, attendez, attendez. Vient de partir du quai numéro 3.